Ça fait 10 ans que j'habite à Monteux. Nous sommes arrivés en 2002. Et c'est vrai que ce que j'apprécie avant tout, c'est la proximité et l'étendue des services proposés. C'est-à-dire aussi bien au niveau de la santé, pour faire les courses, l'alimentation, le coiffeur, enfin tous les services dont on a besoin dans la vie courante sont présents dans le centre-ville de Monteux. Donc forcément la proximité, parce que je crois qu'on court tous un peu hein, dans notre vie de tous les jours. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir ces services-là à proximité et avec une certaine qualité. Tous les mercredis, on vient au foyer des Têtes Blanches. Et après, on fait tout ce que Madame Ménalque organise, parce qu'elle organise des choses très bien. On va aller au repas dansant, on va aux sorties qu'elle nous fait. Voilà, c'est très bien, c'est une très bonne association. On est fiers de notre ville, qui fait beaucoup pour les personnes âgées, qui nous promène toutes les années, qui nous fait faire le tour de la ville, les nouveaux monuments qui se sont. Les activités qu'il y a eu dans l'année. Si, c'est très très bien. Vous me reconnaissez peut-être. C'est moi qui ai fait la voix du feu d'artifice de Monteux et qui ai présenté la soirée des Merci. J'ai même signé des autographes. J'ai pu faire tout ça parce que je suis conseiller municipal d'enfants. Et en plus de ces actions-là, j'en ai fait beaucoup d'autres. Comme Mira Canette. On doit récupérer des canettes pour après les vendre et acheter un chien guide d'aveugle pour les malvoyants. Ou aller parler aux personnes âgées pour qu'elles s'occupent. Et beaucoup d'autres actions encore. Ma vice-présidence à la Chambre de métiers m'a conforté dans le dynamisme de cette ville de Monteux. Aux échanges avec les acteurs économiques de ce département. Donc une ville reconnue et une communauté de communes aussi très reconnue pour son dynamisme et également par sa géolocalisation, un emplacement stratégique qui permet à cette ville de se développer dans l'avenir. L'aménagement de ce type de quartier est très demandé par les entreprises ou les investisseurs. Donc je pense qu'en effet, c'est un très bon retour sur investissement d'aménager ce type de quartier à tout point de vue. Et puis surtout, je pense que pour une ville comme Monteux, c'est quand même les quartiers de l'avenir, quoi, qui vont lier à la fois le tourisme, le sport, les commerces, la qualité de vie. Il y a quand même 42 hectares d'espaces verts qui vont bénéficier à l'ensemble de la population. Ça fait un an que je suis à la retraite. Je languissais beaucoup à la maison. Je trouvais Michel, c'est ma copine. Elle m'a dit, écoute, il y a d'activité à la commune. Si tu peux venir à faire des coutures. Et là, ça me fait rencontrer du monde, des copines, je ne sais pas. Et ça me fait sortir de la maison. Oui, l'année dernière, nous avons fabriqué des petites fleurs que nous avons offertes aux gens le jour de la Saint-Jean, pour la fête de la Saint-Jean. Et le sourire des gens, chaque fois que nous le donnions, c'était une récompense de ce travail de bénévole que nous faisons une partie de l'année, finalement. Et ça faisait vraiment chaud au cœur. Nous sommes toutes très fières, je pense, d'habiter Monteux, parce que de Monteux, on en parle dans beaucoup de villes et de villages, assez éloignés de chez nous. Pourquoi ? Parce que chez nous, on sait s'amuser, on sait recevoir les gens, et puis, il nous faut de la main-d'œuvre qu'on a tant qu'on veut, parce qu'on a une équipe formidable. Et le plus connu de Monteux, c'est évidemment le feu d'artifice. La pyrotechnie française est reconnue à travers le monde comme étant la plus expressive, la plus théâtrale, la plus artistique. Et après tout, ça vient de Monteux, tout ça.
Donc quand on revient à Monteux, on revient un peu aux sources de la pyrotechnie et on est fiers de venir ici, on est fiers d'y présenter toutes nos nouvelles collections pyrotechniques. On est fiers de faire en sorte que ce feu d'artifice soit un feu d'artifice d'art et d'essai totalement novateur et complètement différent d'un feu d'artifice qu'on pourrait voir à Avignon et même à Paris. Le feu de Monteux, c'est un feu hors du commun. Monteux et Saint-Jean, c'est une longue histoire qui donne lieu chaque année au mois de mai et ce depuis 900 ans, à un pèlerinage auquel les Montiliens restent profondément attachés. Aujourd'hui, Monteux, ville moderne et dynamique, reste attachée à ses traditions qui rassemblent les Montiliens dans leur diversité. Voilà, vous venez de voir quelques images de Monteux et entendre différents acteurs de la ville. Quand je vous aurais dit que la devise de Monteux, notre devise, c'est l'union fait la force, vous aurez tout compris. Et vous saurez que, à l'image de son logo, Monteux pétille du talent de ses habitants.